c'est Caramella qui vous revient pour un haul action. Et oui, ça faisait quelques semaines que j'en avais pas fait. Et j'ai été obligée d'aller rechercher du manger pour mes petites mésanges. Comme vous le savez, dans mes weekly vlogs, n'hésitez pas, allez voir mes weekly vlogs, playlist, weekly vlog. Je vous montre comment j'ai installé le manger pour mes petites mésanges. Mésanges charbonnières, ce sont celles avec les petites têtes noires, elles sont plus grosses. Et les mésanges bleues, à tête bleue, elles sont toutes petites avec du bleu et du jaune. Voilà mes chatons. Mais avant de vous montrer tout ça, aïe, doucement Caramella. Je ne bouge pas trop, je suis très douloureuse. Eh bien, générique, c'est parti. Allez mes chatons, c'est parti. Là, je suis allée, alors attendez, je réfléchis, parce que j'y suis allée aux deux actions et je voudrais pas me mélanger, ça doit être marqué. À Saint-Paroterre. Voilà. 8 rue de l'Avenir. Oh, c'est beau ça, c'est beau. J'en ai eu pour 16 euros. J'arrondis au-dessus. Donc c'est parti, on y va. Je commence par quoi? Vous allez voir, en ce moment, j'ai grossi à vue d'œil. Hein. Je mange. J'ai acheté un paquet de, je vous les conseille, de nippon, voilà. Ça, j'en mangeais quand j'étais ado. J'adorais ça. Ou plutôt jeune femme dans mon studio avant de connaître mon kidou. Et le paquet de nippon, en fait, c'est du riz soufflé au chocolat au lait. C'est trop bon. Par contre, moi, ça me... Dieu des intestins, après, il se casse. Hein. les nippons, riz soufflé au chocolat, 1,27€, les 200 grammes. Voilà mes chatons. Je mets par terre, c'est vide. Ensuite, c'est mangé aussi. Ça a été acheté il y a 2 jours, hein, mais j'ai enfilé ça en 2 jours. Des caramels fourrés au chocolat. Mon kilo n'a pas vu beaucoup la couleur. Il y a combien? 350 grammes. J'ai payé ça. Alors, j'ai payé ça combien? Nanana, nippon. Chocolat, 1,79€. Ils appellent ça éclair au chocolat. 1,79€, 350 grammes. Voilà. Ils sont délicieux. Franchement, je vous les conseille à 10 000%. Faites pas comme moi, mangez pas le paquet en 2 jours. Ensuite, ah tiens, du salé. Je n'ai pas entamé. Je vais mettre ça dans les gourmandises d'apéritif pour le dimanche. J'en ai déjà acheté et c'est trop bon. C'est un paquet de 200 grammes. Ce sont des pistaches mélangées à des noix salées. Ça se présente comme ceci. Voilà, c'est bon jusqu'en avril 2022. Ça s'appelle les pistachio nut mixte. C'est salé. Moi, j'aime bien quand c'est salé. J'aime bien tout ce qui n'est pas bon. Ce sont les snacks of the world. Comme ceci. Et j'ai payé ça. Les snacks. Nippon. Bird. C'est... Snacks of the world, pistache mixte, 1,99€. Franchement, les 200 grammes, le prix est raisonnable parce que normalement, dans les supermarchés, c'est très 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 cher. Sinon, je vais au Lidl, moi. Oui, il fait pas beau, hein, moi je vous le dis. Ensuite, du pratique. J'ai acheté en guise de... Il y a des petites... un petit peu de graines d'oiseau, vous savez, ça fait des miettes. J'ai acheté une louche. En fait, ils appellent ça louche. C'est de la marque Redstone. Voilà. Mais je vais m'en servir en guise de cuillère à servir. Parce que la louche était encore mal aiguisée. Même là, tiens, ça coupe. Surtout, faites attention à vous. Elles sont pas bien limées. Et vous souvenez, j'avais acheté tout un ensemble de couverts. Une desserte, enfin non, ça s'appelle pas de desserte. Fourchette, couteau, etc. Et les grandes cuillères, je m'étais ouvert les lèvres ici.
Donc là, c'est pareil, hein, la grosse cuillère à servir, c'était ça. Là, un peu moins. Donc j'ai pris ça en guise de service. Et j'ai payé cette louche. Alors, la louche. Oui. Puis quelle est ma louche? Pourtant, j'ai pas grand chose. Ombre à paupières, snack. Oiseau. Louche en inox. Mon ticket est grand comme ça, j'arrive pas à le lire. Louche, c'est en inox quand même. Elle fait 33 cm de diamètre. Et 1,49€. Voilà. Je m'en servirai en cuillère à service. Nickel. D'ailleurs, je vais retirer sa petite étiquette. Allez, tu vas aller à la toilette. Stock. Alors, ça peut passer. Lavage à la main, mais pour lave-vaisselle. Lave-vaisselle, c'est rayé avec une croix rouge. Voilà. Ensuite, j'ai repris, j'en ai plus du tout, du bicarbonate de soude de la marque Mariette. Voilà, pour mon petit Nunus, pour sa litière. Ça tombe bien, il faut que j'y fasse sa litière demain matin. Je crois que ça, c'est 1 euro. Alors, attendez. Le bicarbonate de soude, 500 grammes, 1,59€. Et bien, tout compte fait, c'est le même prix. Oh là là, j'ai mal. Excusez-moi. C'est le même prix que sur le drive. Hein. Ouais. Sauf que là, il y a une petite cuillère qui peut être pratique pour le doser. Voilà, 1,59€ les 500 grammes. Je vais aller mettre ça avec la litière. J'ai pris, je m'en sers pour faire les poussières de mon coin make-up. De chez Spargo. Hop. Des petites... des poussiéreuses, comme ça. Des petites chiffonnettes, vous savez, microfibre. Vous avez un manche en plastique. J'en ai un, là. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Non, je ne peux pas ouvrir le tiroir. En fait, ça donne ça. Et ça prend toute la poussière. Je fais tous mes coins make-up, comme ça. Et le coin chenifie tout ça, de la chambre à mon qui... de la chambre. Ce sont des lingettes statiques. Il y en a 5 à l'intérieur. Je vais vous montrer, tiens. Hop, il faut faire attention parce que les paquets sont ouverts. Hein. J'ai action. Hop, ça se présente comme ça, vous voyez. Et il y a un manche à chaque fois. Et ça, ça accroche bien la poussière. Franchement, ça accroche bien la poussière. J'ai payé la boîte de 5. Alors... chiffonnette statique, 79 centimes les 5. Que demande le peuple, hein? Impeccable. Je vais mettre ça dans mon coin make-up. Viens m'excuser, je souffre le martyr. Ouf. C'est pas grave, je vais besoin de faire mes vidéos. Ensuite, pour mes petites mémères. Et là, je les ai installées au mur. N'hésitez pas à me suivre dans mes weekly vlogs. Vous verrez les petites mésanges et comment j'ai installé. Pour les nourrir, voilà. Alors, j'ai acheté 2 paquets de graines spéciales mésange. Il y a 300 grammes. Et ça, si je me souviens bien, c'est 1,09€ le paquet. Alors, ouais, 1,09€ mélange pour oiseaux. Voilà. Et c'est vraiment les mésanges qui viennent. J'ai eu un petit verdier, mais comme j'en mets également par terre, en bas du petit arbre, je fais attention, il y a des chats. Donc, il est allé les manger par terre. Les rouges-gorges, ça mange par terre. Les merles aussi. Donc là, moi, je n'ai que les mésanges qui viennent manger en hauteur. Les petites mémères. Donc, 2 fois 1,09€. Je suis ravie. Et j'en ai mis donc 5 côté balcon. Et j'en ai mis 2 côté fenêtre de chambre avec, j'ai acheté des graines de tournesol noir. C'est pareil, c'est dans mes weekly vlogs parce qu'il y a des retours de course. Mais j'ai aussi dans mes weekly vlogs d'autres tours de course, des petits compléments que j'ai eu à Leclerc directement ou à Lidl, etc. Ensuite, j'ai racheté une boîte de rangement pour mon kidou parce que franchement, ça change la vie. J'ai pris la grosse boîte comme ceci. Voilà, avec un couvercle qui se retire. Alors, c'est pas d'une grande qualité, mais c'est suffisant, puisque moi, ce ne sont pas des boîtes qui vont bouger. C'est pour qu'il y ait moins de bazar dans la chambre. Et franchement, ça sert à mon kidou. Et la boîte de rangement, j'ai pris la grande, elle fait 3,39€.
Voilà. Elle fait 11 cm sur 31 cm. Il y a le couvercle avec. Voilà, c'est de la marque Storage Box. Starplast. Et je vous les conseille. Franchement, alors faut pas mettre du lourd hein, parce que c'est du plastique assez mou. C'est souple, ça se casse vite. Ma grue, elle en a fait tomber une en sortant du magasin. Elle a cassé le couvercle. Mais nickel, 3,39€, c'est l'idéal. Je vais donner ça à mon kidou. Et enfin, je suis passée au rayon maquillage. Alors, il n'y a jamais rien. Mais il y avait quand même cette nouvelle petite palette. Oui. T'es sûr, tu vas te tendre un abattis. Comme vous vous rappelez. Dernière petite palette que j'ai achetée chez Action, c'est celle-ci, la 510 In The Wide. Wink. Ces petites palettes, elles valent... alors, palette Max & More, 99 centimes. J'avais pris la chaude, comme ceci. Je l'adore, je vous la conseille à 10 000%. Je vous l'avais déjà swatchée, mais je vous la swatchée. Elle a du mal à parler. Elle fausse. Hein. Hop. Franchement, les couleurs sont superbes. Voilà. Vous voyez pas grand-chose, il y a trop de lumière peut-être. Je l'adore, cette petite palette. On peut l'emmener partout. Et là, j'ai regardé et ils en ont fait une. Toujours 99 centimes, mais dans les tons froids. Et c'est la 504, la Moon Rock. Je vais la défaire de son paquet. Hop. Toc. Elle est comme ceci. Je vais zoomer pour pas avoir à étirer trop le bras. Toc. Elle est comme ceci, mes chatons. Elle est trop belle. J'ai hâte de la swatcher. Je ne l'ai pas encore swatchée. Il y a un petit truc comme ça. Je garde. Et voilà ce que ça donne. 99 centimes. Je vais vous swatcher. Alors, il y a trois irisés et qu'un mat. Mais franchement, la pigmentation, c'est crémeux. C'est pour 99 centimes. Moi, je dis chapeau. Regardez ça. Donc, ça, c'est la chaude et ça, c'est la froide. Elle est trop belle, hein? Je la trouve magnifique. Je vais vous la mettre à côté de l'autre. Ouais. Je vous conseille les deux, comme ça, vous avez les deux. Celle-ci, elle n'y est plus, moi, dans mes actions. Voilà. Et je les adore. Elles sont superbes. Donc, voici celle que j'ai achetée. 99 centimes, mes chatons. Magnifique. Je vous remontre les swatchs. Regardez ça. C'est pas beau? Joli, hein? Pour le prix, franchement. Et encore, hein, les swatchs, des fois, ça veut rien dire. Franchement, vous humidifiez votre pinceau, les petits irisés, ils ont rien de... Alors, ça vaut pas du Natasha Denona, c'est sûr. Mais moi qui adore les tons froids, j'adore. Voilà mes chatons, mes 16 euros d'achat. Vous savez tout. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à rejoindre ma communauté pour qu'on atteigne... Je voulais atteindre les 6000 abonnés. D'ici 31 décembre 2021, c'est foutu. Hein. Non, c'est foutu. À moins que, on sait jamais. Moi, je crois encore au Père Noël. Je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous. N'hésitez pas à me rejoindre. Prenez soin de vous. Et puis, ah, j'ai pas zoomé sur mon make-up au fait. Voilà mon make-up. Un peu de paillettes sur les lèvres. Voilà. J'aime bien. Et puis, ben moi, je vous dis à très vite. Hein. Je vais faire le round numéro 2 de l'action. Je vais mélanger avec du nose. Donc, restez connectés pour la semaine d'après. Du nose et du action mélangés. Vous avez hâte. Hein. Bisous.